Jour 3, il est 18h20. Puis dans un petit bout de forêt, j'ai crapahuté dans la falaise. La journée avait bien commencé tranquillou comme j'avais prévu. Je me trouvais des petits magasins, j'achetais à manger, un peu de ravitaillement. Normalement, j'ai de quoi manger, c'est très sommaire, mais bon, j'ai de quoi manger demain midi, parce que c'est dimanche et je suis pas sûr de trouver un village et en plus à quelque chose d'ouvert un dimanche. Je suis au bord d'une route. Ouais, donc la journée a commencé tranquille, j'avais pour objectif 20 km, je voulais pas faire plus. J'ai super mal aux pieds, petite tendinite. Sauf que arrivé à mes 20 km à peu près, il y avait un petit endroit pour se caler, puis je me suis dit, c'était même pas 17h, même si c'est tôt. Je vais juste aller un poil plus loin, voir s'il y a un truc un peu plus sympa le long du Tarn. Ça fait des jours que je vois aucune urbanisation et je me suis retrouvé dans un. Il y avait un grand camping, puis un grand centre de loisirs et toutes les berges sont aménagées. Et donc j'ai marché, marché, marché en espérant passer ça, mais pas de réseau. Là je capte pas, j'ai pas de réseau. Du coup j'ai marché 5 km de plus, toujours rien. Et là il y avait un petit passage qui permettait d'accéder à un endroit où la falaise un poil moins pentu que les autres, c'était que du caillou, je pouvais même pas grimper. Donc là, j'ai fait grimpette pour essayer de me caler dans un poil dans le bord de la route. Mais je peux pas grimper plus, là, ça sert à rien. Alors, je viens d'enlever les chaussettes. Ouais, le monstre d'ampoule que j'ai sur le pied. C'est même plus une ampoule, c'est un halogène, c'est gonflé de chez gonflé. Mon petit orteil, c'est pareil. Ça normalement, c'est pas le petit orteil, c'est une énorme boule qu'il y a dessous. Horrible. Et l'autre, c'est carnage, ça a tout éclaté, c'est plus que de la peau, de la chair.